Bon, on va tester du coup. On va tester du coup Heureux. le... On va tester le combat du mage bleu. Le dernier, le Azul Maja. Je suis choqué, t'as avancé hyper vite. Bah, hyper vite, je pense pas en vrai. Bah ça fait un an qu'on est sur le jeu. Ça fait ouais, ça fait un an en vrai qu'on est sur le jeu. Ah, je me souviens plus, Bélier. Ah, Bélier, c'est loin. Dragon, c'est oui. Ah oui, c'est vrai, il fait les attaques, oui. Ouais. Depuis le temps, moi, j'ai complètement oublié. Robbie de Dieu. Robbie de Dieu. C'est bon, j'ai fait Shadowbringer, j'ai un entraînement pour éviter les AOE. Bélier, on se casse! On enchaîne avec Dragon, évidemment. Ah, cette musique est beaucoup trop bien, mais que t'entends uniquement ici. J'avoue. Enfin, les deux musiques que t'entends ici, c'est les deux seuls endroits où tu les entends. Bélier, on se casse. Et puis on revient. Et puis on se recasse. Aïe, et on se re-recasse. Après, le truc, c'est que je sais que la phase 1, je l'avais déjà faite et réussie. C'est la phase 2 qui m'avait défoncé. Voilà. Phase 1 terminée. Ah bah, c'est plusieurs. Oui, il y en a 3. Très bien. Ah, ça fait tellement longtemps. Je suis ému. Un bot s'est auto-ban tout seul. Nice. Ah, du coup, maintenant, faut ça. Womi de Dieu. Ah, c'est chiant, ça. Et ça, c'est trop long. Ah, ok, d'accord. Ah, dragon, je suis beaucoup trop. Je suis beaucoup trop loin, c'est chiant. Ah, merde, la paralysie! Au secours! Ah, bah, j'étais. Ouais. Je m'en fous, j'y retourne. Pète sa gueule, ça t'amène. Ah, ça va l'éclater. Ah, ça baisse la vite dur, hein. Non, mais en plus, du coup, la deuxième phase, je la découvrais, donc c'est pas du jeu. Voilà. Ça triche. Mais en gros, en phase 1, tu dois utiliser que des trucs magiques. En phase 2, que des trucs physiques.
et fasse pas. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pour ça, t'as une... C'est quoi, c'est la foreuse, je crois, qui était... C'est indispensable pour la phase 2. C'est ça. C'est ça. Foreuse que, à l'époque, je n'avais pas. Je l'avais testé. Du coup, j'étais comme un con. Parce que bon, enfin, j'aimerais quand même un de ces jours arriver à finir l'histoire des quêtes de mages bleus, mais bon, voilà quoi. Oui. C'est quand même chiant. C'est quand même très très chiant comme truc. Non pas que en soi j'ai clairement envie d'avoir tout le staff de mage bleu, hein, mais bon. Juste au moins finir l'histoire. Phase 1 terminée. Encore. Du coup, ça va dire, faut utiliser que du physique. À sa bélier. Bon, du coup, ouais, l'avantage du machin de forage, c'est que ça touche sur toute une ligne. Il en pose plein. Ah, bélier, chier. Et salut, tante YouTube. Hello. Ok, phase 2 en voie d'être terminée. Ok. Et ça va très bien, je t'en remercie. Et toi, comment vas-tu? Bon. Du coup, découverte de la phase 3.
Ah mais quel con! Non, c'était pas ça, c'était l'autre. Ah, bélier, 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 bélier! J'hésite à me lancer dans le jeu sérieusement, WoW commence à me gaver. Bah, dans tous les cas, pour te faire un avis, tu peux toujours tester la version gratuite. Il te donne accès au jeu, enfin, qui te permet de tester toutes les classes jusqu'au niveau 35. Je dis pas de 35, oui. Donc, ça te permet de te faire un bon avis. Ah non! Je la bouffe? Ouais, je la bouffe. Ah chier, je l'ai vu trop tard en fait. Oh, ça va être chaud! Chaud, mais j'ai compris le truc. Maintenant, faut le mettre en application. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Tu fais quoi là? En gros, je joue donc Mage Bleu, qui est une classe un peu à part, qui a le potentiel d'apprendre les compétences de mobs, des différents mobs, et elle a accès à un type d'arène particulier, dans lequel tu affrontes certains monstres bien relous. Que tu ne peux pas affronter si tu n'as pas les bonnes compétences et la bonne strat. Et c'est ce que je fais là. Ce que j'essaye de faire là en tout cas. Avec le match bleu qui a ce système d'arène ou toutes les classes. Non, ce système d'arène là, uniquement le match bleu. Ça a pas l'air évident. Non, ça l'est pas. on se casse. Après, clairement, ça dépend ce que tu recherches aussi en termes de MMO. Si tu recherches un MMO où tu peux... pour de l'histoire, où t'es clairement le héros de l'histoire avec une quête... principale qui est prenante, qui est bien écrite, qui met certes un peu de temps à se mettre en place, mais bon, moi ça date un petit peu, donc normal. Une histoire qui te place réellement dans un RPG classique, plus qu'un MMO à la base, ouais, FF peut t'intéresser. Après, si tu cherches aussi du HL qui demande pas mal de rigueur, ça peut t'intéresser, mais du coup, bah, faut le temps d'y monter, quoi. Ça dépend ce que tu cherches. Si tu cherches du PVP, je te le dis tout de suite, ne va pas sur FF. Oh Dieu! Oh bah, on va chercher les compétences. Ah, tu vois? Non, mais de toute façon, y a une émote qui se débloque uniquement qu'en montant le truc du mage bleu, donc je veux. Ah, et c'est quoi du coup? C'est l'émote de ton perso qui se tient la tête comme s'il avait le truc de l'écho. Ouais. Ouh, d'accord, bon ben je veux ça. Oui. Et tu as aussi une mascotte de... T'as un Megazord de Alexander. Et la bonne douille, c'est que ces trucs-là, tu les débloques en les achetant avec des sauts de chasse, mais de Harry Briborn. Oh, tu sais les trucs casse-couilles à avoir, là. Oui, je me souviens bien, ouais. Voilà. Je me souviens bien. Alors, que moi... je les ai farmés pendant un mois pour avoir une mascotte. Oui. Je m'en souviens très très bien. Alors moi, ça va, j'ai assez pour au moins l'emote. C'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. Mais, eh oui, c'est très très chiant.
On se casse. Je l'avais pas vu. Alors désolé, du coup je regarde un peu moins le chat, ah, bah veuillez pas, mais du coup... un peu de concentration sur le PPR. Oh, le jeu était tellement sympa. PvE, tri HL et des défis PvE dans le style de ce que tu es en train de faire. Du coup, ça peut t'intéresser. En effet, ça peut t'intéresser, FF14. Mais comme je dis, le mieux... Alors après, c'est sûr que du tri HL, du coup, t'en verras pas forcément sur la version gratuite. Mais au moins, ça peut te donner une idée de ce qu'est le gameplay, etc. pour voir si tu peux accrocher. Parce que c'est vrai que le gameplay, en tout cas en début de jeu, peut paraître un peu rigide. C'est pour ça que j'ai arrêté à Yon, le PvP sauvage à fond, maintenant je préfère le PvE et FF14 c'est bien pour ça. Ah clairement oui, si du PvE, FF est un très bon MMO PvE, c'est sûr. Ah le bélier on se casse. Et le dragon revient. Et GG Sonia pour ton level 17. Le GG. J'avoue que ouais, j'ai passé pas mal de temps à une époque sur Yon, mais j'avoue que... J'ai un peu lâché et c'est vrai que le PVP ne m'a pas convaincu en tout cas. Je suis pas un joueur de PVP à la base, donc du coup ça aide pas. Mais j'ai joué surtout avec des potes. Hein. Oh je sais pas si je suis dedans. Oh putain. Et de Dieu! Ah non, il y a les mégazones en plus! Ah, tu te fous de moi! Oh putain de bite de Dieu! Ah, bite de Dieu! Oh putain. Je crois que je bouffe, ouais, je bouffe. Oh non, il rebelle les tornades, au secours. Sors de là. C'est calculé pile poil pour que tu sois pas dans la limite du météore. Quoi. Ah oui. C'est pute, hein, vraiment, les chances c'est pute. Ok, il rechange. Ok, putain, en plus il rechange entre magique et physique. Le relou! Bon. La non-foreur, c'est bon. Ah, le bélier! Le dragon, ça va. Allez, il lui reste 15% PV. Oh non, il remet les tornades. Cours. Ok, balance à toile, normalement je le tue avant. Oui. Spectacle grandiose niveau 3. Le GG. Ah, oh, merci. Ah, merci les GG le chat. Ah, ami de Dieu.
Ah, faut que je reprenne FF14, je viens de me prendre Shadowbringer. Et je suis au tout début de Even Sword. Oh bah ça se fait. J'ai pas eu la notif, j'arrive, excusez-moi, je suis là. Et bah c'est tant de YouTube qui follow, merci à toi du coup, et la bienvenue parmi nous. Du coup, si t'as des questions sur FF, bah n'hésite pas. Mais alors du coup, cadeau pour ton succès, merci. Ah c'est tout est bien qui finit bleu. Oh. J'ai tout pris aussi alors que je viens de commencer. Bah en vrai c'est pas plus mal là, de prendre toutes les extensions d'un coup. Ça revient moins cher en vrai donc. Et du coup, la baguette d'Azul Magia. Mais d'abord de l'histoire. Nilan, bravo, à la loyale, vous avez gagné. Vous êtes la meilleure, grâce à vous, nous allons récupérer la vallée bleue. C'était un grand jour pour toute ma tribu. J'explose si le succès de la fin de la quête, c'est dans la vallée. J'avoue. Ah mais tellement, il faut que ce soit ça. Alors là, tu vas souffler, c'était si émouvant de voir mon élève briller dans l'arène que j'en ai oublié mes blessures. Là, tout de suite, je me sens frais comme un gardon. Toutes mes félicitations, Nilan, et merci pour ce palpitant spectacle. L'arène était pleine à craquer et tous les spectateurs sont ressortis avec des étoiles dans les yeux. Et moi, des ampoules aux doigts. Ah, ça valait bien la peine de perdre un pari. Non, en vrai, ouais, il est sport celui-là. Il est vraiment sport. Azul Magia n'accepte pas la défaite. Pour la peine, je vais tout réduire en cendres. Ah, désolé, j'étais encore dans mon rôle. La victoire est sans appel. A l'évidence, je t'avais sous-estimé. Vous avez gagné. Je renonce à m'implanter en territoire Wallaki. Mes ambitions devront se trouver un autre terrain de jeu. Demain, c'est sorti d'Iceband sur PC. Ah oui, c'est vrai que demain, c'est Iceband sur PC, j'avais oublié ça. Oui. J'avais complètement oublié. Oui, oui, oui. Je passe un bon moment et je repasserai un jour quand j'aurai le temps. Bah, pas de soucis, avec grand plaisir, et merci d'être venu, et au plaisir, Tonk. Et du coup, bah, bonne chasse à toi. Le nouveau continent est vaste et recèle sans doute bien d'autres réserves de céruléum. Royce et moi, nous sommes loin d'avoir dit notre dernier mot. Nous allons dès à présent nous rendre sur place pour tâter le terrain. J'ai pris les devants en affrétant un navire. Je comprendrai que tu m'en veuilles toujours, néanmoins, si l'aventure te tente, je serai honoré de t'avoir avec nous en tant que guide. Ce sera avec plaisir. D'ailleurs, je connais quelques endroits qui ressemblent un peu à la vallée bleue. Tu crois qu'on y trouve des schtroumpfs? Vous devriez y arriver et trouver votre bonheur, et sans déranger quiconque cette fois. Ah bah fallait le dire plus... Mais grave! Le mec veut s'installer dans une zone pour du céréoléum. Sauf que si il s'installe là, la tribu de Jean-Michel se fait... c'est chiant. Parce qu'ils sont déjà installés. Et le gamin connaît d'autres endroits où il y a personne. Mais pourquoi il l'a pas dit plus tôt, ce con? Sale gosse, là. Ça m'aurait évité de farmer. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour les Wallaki. Si d'aventure vous visitez le nouveau continent, n'hésitez pas à passer nous voir. Oui, c'est ça, ouais. Mais du coup, les Wallaki, ils sont où en Orient? Cette affaire est close. J'ai aucune idée, je vois. La carrière du bleu et masqué, deuxième du nom, elle ne fait que commencer. Continue sur ta lancée et donne ses lettres de noblesse à la grande mascarade. Je compte sur toi, championne. Ah mais c'est que ça porte bien son nom. C'est la grande mascarade, c'est vraiment... tout est bien qui finit bien. À présent, je n'ai plus à me battre pour les Wallaki. Je me demande ce que je vais pouvoir faire pour m'occuper. Patron, la réponse à la question, vous connaissez déjà. Votre costume, vous ne quittez plus ces derniers temps. Ça fait partie de mon travail, et je fais des heures sup parce que ça paye. Incarner le bleu et masqué, vous adorez. De honte à l'avouer, il n'y a pas.
Quête acceptée. Bah non, c'est quête terminée, non? Est-ce que... Ah d'accord, c'est juste parler à Michel, la quête terminée. Oh, très bien. On va dire ce qu'on veut de nos combats en costume, il n'empêche qu'ils ont grandement contribué à populariser la magie bleue. Tu te rends compte? Négligé par la communauté scientifique, voilà qu'elle connaît son heure de gloire par l'intermédiaire du sport-spectacle. Parfois, je me dis que le succès ne tient pas à grand-chose. Et je mesure la chance que j'ai eue de vous rencontrer, Roy, c'est toi. Mon prochain objectif est tout trouvé. Je vais fonder la guilde des mages bleus. Oh putain. Et continuer à démocratiser au maximum cette discipline. Bien sûr, cela demandera un certain investissement de ma part. Avant toute chose, il faut que je me remette en jambes après tout ce temps passé au lit. Dès que ce sera fait, je me démènerai dans l'arène pour me constituer un pécule suffisant. À vrai dire, j'ai hâte de retourner sur le devant de la scène. Il ne manquerait plus que ça. Que le bleu est masqué deuxième du nom en face de l'ombre à l'original. Pardon, mais la guilde des mages bleus, ça c'est très chiant par contre, Michel. Hein. Ça c'est très 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 chiant. Et donc voilà. Fin de la quête de niveau 50. Et ça c'est cool.